zéro, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Ce jour-là, tout le royaume était en fête. Koopa et ses complices avaient enfin été vaincus. Le peuple était libre et la princesse était retournée dans son château. Le moment était arrivé pour Luigi et pour moi de retourner à Brooklyn. Merci encore d'avoir enfin éloigné Koopa. Les frères Mario resteront des héros pour ce pays. Vous allez me manquer, vous savez, je le sens déjà. Ne pleurez pas, princesse. Grâce à ce tuyau spécial, on viendra vous rendre visite chaque fois qu'on le voudra. Mais oui, et vous allez avoir une vie très heureuse maintenant qu'il n'y a plus Koopa. Oh, mais oui, on a suffisamment bavardé comme ça. Il est temps maintenant de retourner manger notre bonne vieille cuisine. Les États-Unis d'Amérique. On est rentré chez nous, Luigi. Ah oui. Eh, regarde. On reconnaît les beaux arbres de Brooklyn. Le pont de Brooklyn. Oh oui, puis regarde là-bas. Dressant fièrement sa torche, la statue de la Coubertin. Quoi? La statue de la Coubertin? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de la loi, arrête! Enlève ce déguisement ridicule et rends-moi tout de suite l'argent que t'as volé. Oh là là, oh là là. Est-ce que t'as vu ce que j'ai vu, toi? Mais oui, c'est un des soldats de l'ignoble Koopa. Oui, mais... On dirait bien qu'il se passe des choses terribles ici. Tout laisse penser que Koopa et ses troupes de bandits se sont attaqués à Brooklyn. Alors Koopa nous a joué un mauvais tour. Il a renoncé au royaume de la princesse pour venir s'installer à Brooklyn. Ça, franchement, c'est incroyable. Oh. Mario, c'est le plus mauvais coup que cette crapule de Koopa nous ait joué. Ah, mais on est revenu à temps, ça ne se passera pas comme ça. Allez vite, taxi, pas de petit rond, garçon. Oh, regarde, il y a des soldats de Koopa partout. Eh, hey, mais dites-moi que je rêve. On dirait que cette affreuse créature s'empare du parc d'attractions. C'est Koopa! Mais oui, c'est bien ça. Il met une enseigne à son nom. Ah, mais cette fois, c'est plus possible. Ce Koopa dépasse vraiment les bornes. On ferait bien mieux de vite le renvoyer au zoo. Oh, ben, à ce train-là, il va carrément remplacer le nom de Brooklyn par Koopling. Ça, alors, je suis prêt à parier que même Koopa n'oserait pas. Écoutez-moi bien, vous tous. Vous allez vous répandre dans le quartier et remplacer partout où vous le trouverez le nom de Brooklyn par Koopling. Hé, hey, Koopa, vive Koopa! Quand on en aura fini ici, il ne nous restera plus qu'à traverser le pont de Koopling et envahir le reste de New York, qui deviendra alors bien sûr New Koopa. Si ça continue comme ça, il va mettre tout le pays à son nom et ça sera alors la fin de notre belle civilisation. Je vais prévenir la police. Fermez la portière. Oh, regardez là-bas, c'est bien ce que j'avais espéré. Les frères Mario sont enfin arrivés. Et cette fois, je ne vais pas leur laisser la moindre chance d'échapper à ma toute-puissance. Allez me les chercher et ramenez-les-moi tout de suite. Attendez-nous! Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, je serai de retour avec la police dans 3 minutes. Et j'espère que j'aurai droit à un pourboire cette fois. Bon, je n'aime pas les chauffeurs de taxi, ils refusent toujours de me prendre. Je vais changer celui-là et sa voiture en tas de briques. T'as vu ça? On reste seul maintenant? Oui, on trouve jamais de taxi quand on en veut. Tu crois que Koopa projette de transformer tous les habitants de Brooklyn en briques? Mais oui, c'est exactement mon intention. Vous avez fait rater je ne sais plus combien de mes plans machiavéliques. Alors j'ai décidé de me venger en venant ravager la ville que vous aimez tant. Allez, mes fidèles soldats, à l'attaque! Ah, oh, cette fois-ci, ça devient désespéré. Mais où tu vas comme ça? Mais enfin, attends-moi! Mais... Oh! Thank you.
Très bien. Ici Koopa, je m'adresse à toutes les unités. Les frères Mario viennent de partir à l'instant sur le Grand 8. Alors débrouillez-vous pour qu'à la fin, ils exécutent le Grand Saut. Mario, tu crois qu'il existe plusieurs voies sur ce Grand 8? Mais pourquoi donc? Parce que je vois un autre wagonnet en face qui vient droit sur nous. Je dois bien reconnaître que je trouvais ce parc d'attractions un peu stylé. Mais si maintenant on peut enfin éliminer les frères Mario, on va bien s'amuser. Allez, dépêche-toi mes freins, Fred. Mais y'a pas de frein. Mais alors passe vite la marche arrière. Y'a pas de marche arrière non plus. T'as d'autres suggestions aussi intelligentes? Oh oui, une. Il faut vite sauter de là. Ah, je suis venu très souvent m'amuser ici. Alors ça me plaisait beaucoup, mais après ça, je n'y reviendrai plus jamais. Franchement, je te trouve un peu difficile. T'as l'air d'oublier qu'en attendant, maintenant, on a gagné un tour gratuit. Ça me fait vraiment plaisir de voir que les frères Mario sont enfin revenus à Brooklyn. Où ils arrivent à temps pour participer à leurs propres funérailles. Si j'avais su que Brooklyn serait si dangereux, tu vois, moi, je crois que je serais resté tranquillement avec la princesse et puis avec le Todd que j'ai. Ah, ben oui, mais... Pense plutôt à nous, puis oublie-les un petit peu. Ils doivent mener une vie paisible maintenant, là-bas. Oh, là. Miam, miam. Oh, c'est devenu vraiment très calme depuis que le royaume a été sauvé. Oui, on est tranquille. Il n'y a plus Koopa pour nous menacer. Ni chez Jeffrey Soldat pour nous attaquer. Oh. Mais je m'ennuie mortellement, pas toi? Oh oui, alors moi aussi. Et je dirais surtout que je regrette beaucoup l'absence de Mario et de Luigi. Alors viens. Oui. Hop là. Ah là là. J'ai toujours rêvé de voir comment était Brooklyn, allons-y. Allons-y. Hop là. Et hop là. Allez, quoi, ne croche pas, il gagne du fer à sur nous. Oh, ça sert à rien de courir. Regarde un peu, juste devant nous. Cette fois-ci, ils ne pourront pas se sortir de là. Tu sais, Mario, je voudrais pas sembler trop défaitiste, mais pour une fois, mais si on s'arrête de courir, les autres derrière se feront un plaisir de nous écraser. Alors trouve vite une solution, s'il te plaît. J'aurais mieux fait de choisir les commandos parachutistes. Eux, ils sont équipés en cas de chute. Vas-y, Princesse. Oh, il était temps que ça s'arrête. Vous nous excuserez, mais c'est tout ce qu'on a pu trouver. On n'a pas le temps de chercher autre chose pour venir à votre aide. Mais qu'est-ce que vous faites à Brooklyn? La vie n'était plus la même sans vous deux. Oui, et puis s'ennuyer aussi. Oh, vous feriez mieux de vite repartir dans notre royaume. Avec Koopa ici à Brooklyn, la situation va être très délicate. Oh là là, oui, pour une fois, il a raison. Non, on reste ici pour vous aider. Vous avez souvent sauvé mon royaume contre Koopa. Alors aujourd'hui, c'est à nous de vous venir en aide pour lutter contre lui. Oh, c'est très émouvant. Taisez-vous, princesse. Je vais verser une larme. Oh non, Koopa! Vous êtes tous réunis pour assister ensemble à la fin de Brooklyn. Oh, il avait l'air très sérieux en disant ça. Écoutez-moi bien. Voici mon nouveau plan. Pour commencer les réjouissances, les Boom Boom vont s'amuser à détruire le pont de Brooklyn. De cette façon, la princesse et les frères Mario seront pris au piège. Et alors nous passerons à la phase numéro 2. C'est-à-dire transformer tous les habitants de cet horrible quartier en briques. Ça va, arrêter d'applaudir. Je sais bien que c'est une idée assez géniale, mais j'ai tout le temps des idées géniales. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fera aux bassesses personnifiées? Ensuite, je me ferai couronner comme nouveau roi de Brooklyn. Et j'appliquerai ma loi à tout le monde. J'interdirai les plombiers, les spaghettis et les princesses aussi. Et je crois même que je finirai par interdire l'accent de Brooklyn.
Heureusement qu'on a découvert les projets de Koopa avant qu'il n'ait pu les réaliser. En tout cas, je peux t'affirmer qu'il ne détruira pas Brooklyn. Allez, viens, Luigi, viens. Sauver Brooklyn, c'est d'entraîner Koopa avec nous dans notre monde. Hé, hey, Koopa, si tu veux récupérer ton sceptre, eh ben, je vais m'attraper, gros lourdeau. Mario, tu feras mieux de lâcher cette boum-boum. Mais non, pas encore. Signale que tu as toujours la boum boum avec toi. Ah, mais oui, merci, mais je le sais, je le sais. Attention! Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mais pour que tu ne puisses plus quitter ce royaume, tout simplement. Et comme ça, Brooklyn est sauvé. Il y a un détail que vous semblez oublier, c'est que vous allez rester ici avec moi. Ah, si une leçon à tirer de cette histoire, c'est que même Super Mario ne peut pas être toujours sur lui. Ouais. Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. C'est l'aventure, ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros.